Le tribunal criminel. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Mamadi Mansari. M. Mansari, quels sont les agents des forces de défense et de sécurité que vous avez pu reconnaître ce jour au stade? Ce que moi j'ai pu reconnaître, c'est Tchegoro. C'est lui que moi j'ai vu. Et c'est lui que je connaissais aussi. Parce que avant le jour, étant reporter, on s'est croisé plusieurs fois sur le terrain. Imaginez autant d'Adis. Et la lutte contre les narcos était là. J'étais le reporter pour ça. Donc, partout où il allait, j'étais là aussi. C'est comme ça, je l'ai connu. Mais les autres, avec lui, non, je ne le connais pas. Et quel corps? Quels sont les différents corps que vous avez pu identifier? Bon, ce que j'ai pu identifier, les tenues militaires et un seul policier. Le policier qui allait chercher les habits de la femme déshabillée. Et ramener à la femme, c'est lui que j'ai pu voir à distance parce que j'étais en haut sur la loge officielle et je l'ai vu en bas sur la pelouse. Monsieur Kegoro, vous l'avez vu où? À quel niveau? Là où moi je l'ai vu, c'est à l'esplanade du stade là-bas. Au moment où j'étais arrivé le matin, j'ai trouvé Mouktar en face de lui. C'est en ce moment que je l'ai vu. Et quand aussi ils ont dit, ok, allons chercher les leaders. Il était là aussi parce que là, arrivé, là où ils se sont croisés avec les leaders, là-bas aussi, il était là. Et l'altercation entre eux là a fait votre bang-bang. Est-ce que vous aviez une caméra, vous étiez en train de filmer? Oui. Est-ce que vous avez pu voir d'autres scènes? Bon, on pouvait voir des scènes si la caméra était là. On a vu, quand même, j'ai gardé mon sang froid selon ce que je peux faire pour filmer, pour... Voilà. Est-ce que vous avez vu, par exemple, des civils en train de commettre des exactions? Non, je n'ai pas vu un civil en train de commettre des actions. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mansari. Je n'ai pas trop de questions à vous poser. Vous avez dit que la caméra avait été retirée entre vos mains quand vous étiez dans l'exercice de vos fonctions. Oui. Par une personne qui était en tenue. Oui. Selon vous, quel était l'objectif de la personne? Peut-être oui. C'est de ne pas filmer ce qui se passe là-bas. C'était ça son objectif. Ne pas voir les images. Vous avez eu l'information selon laquelle le stade avait été nettoyé après le massacre. Est-ce que vous avez cette information? Je n'ai pas eu cette information parce que j'étais convalescent. D'accord. Vous étiez sur le terrain également pour couvrir les événements. Oui. Votre caméra a été retirée. Est-ce que vous ne trouvez pas en personne réfléchie que l'objectif du CNDD à l'époque a toujours été d'effacer toutes les traces qui pouvaient compromettre le régime à l'époque? Ça peut être ça, parce que si pour la première fois ça a été retiré, ils ont enlevé tout ce qui est là-dedans, même les anciennes images qui étaient là, ils ont tout enlevé.
Et à la fin aussi, je ne suis pas rentré à la maison avec la caméra, ça a été retiré au moment où j'ai perdu conscience. D'accord. Quand vous avez vu le colonel Tiegboro, est-ce qu'il était en compagnie de beaucoup de personnes? Bon, c'est un responsable, il ne peut jamais marcher lui seul, il a toujours son équipe. Est-ce que les éléments de Tiegboro étaient armés ce jour? Bon, là où ils étaient arrêtés, là où ils étaient arrêtés en face de Mouktar, mon attention n'est pas portée sur les armes, mais comme j'ai appris, il a déjà dépossédé Mouktar de ses matériels. Moi, j'ai eu peur, j'ai mis pour moi dans le sac et j'ai plus regardé s'il était armé ou pas. Mais il y a une petite preuve, le monsieur qui était couché devant la boutique de Yidado, qui a eu pied fracturé, le monsieur qui était couché devant là où les policiers s'assoient là, il était inerte. Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Le jeune, 14-15 ans, qui était mort à la rentrée juste du stade, qu'est-ce qu'il a tué? Alors, vous avez vu un corps à la rentrée du stade. Oui. Vous avez dit également que le colonel Tiegboro était sur l'esplanade. Est-ce que lui ou ses éléments pouvaient ne pas voir ce corps? Peut-être ils ont vu ou ils n'ont pas vu. Là, je ne connais pas. Mais si il y a votre chambre, vous êtes là-bas seul, vous me trouvez là-bas, quelque chose se perd. Qui vous demandez? Donc déjà, quand le colonel Tiegboro était sur l'esplanade du palais, les crimes avaient déjà commencé. En tout cas, selon ce que j'ai constaté, ça avait déjà commencé parce que trois victimes déjà le matin là. Trois victimes déjà et il était déjà en face de Mouktar. Dernière question. Un ministre de la République qui était sur le terrain où il y a eu les crimes et qui se dit un officier de police judiciaire aguerri tel que ça a été vanté à cette barre, que cette personne ait été là, les gens aient été tués, les caméras retirées, que personne n'ait été arrêté. Personne parmi... Les personnes qui commettaient ces exactions n'ait été arrêté. Qu'est-ce que cela vous dit, vous, en tant que journaliste d'investigation? Ça porte un doute. Ça porte un doute. Sur qui ou sur la bonne foi de qui? Sur les organisateurs. Très bien. Merci beaucoup, M. Massaré. Je passe la parole. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs, M. Mamadi Massaré. Oui. À cette époque, la radio familiale était très en vogue avec Caleb Collier. Oui. Est-ce que vous avez pu garder quelques images de ces événements du 28 septembre? Les images que je garde, c'est ce que je vous ai dit maintenant là. Parce que si la caméra est retirée, bon, c'est parti avec les images. Et c'était disque dur aussi, c'était pas carte mémoire pour qu'on puisse enlever ça et utiliser. Au niveau de la radio, il n'y a pas de vestiges, il n'y a aucun enregistrement que vous avez pu garder dans les archives? On n'a pas fait de direct avec la caméra, mais le direct c'était avec le téléphone et avec Alpha Ibrahima Baldé. Et moi j'étais chargé juste pour faire l'interview. D'accord. Et vous étiez allé avec un ami sur la moto ou bien vous étiez seul? En quittant la radio, j'étais avec Tierno Alpha Ibrahima Baldé. Tierno Alpha Ibrahima Baldé. Il est où actuellement? Il est à FIM FM. Tierno Alpha Ibrahima Baldé. Il était avec vous au stade? Oui, parce que nous étions tous ensemble à Familia et c'est lui qui devait assurer le direct. D'accord. Il a tout suivi avec vous? En tout cas, nous étions ensemble là-bas. D'accord. Maintenant, c'est le retour maintenant. D'accord. Chacun s'est cherché. D'accord. Et je reviens sur l'une des questions de M. le Président. Au stade, vous n'avez pas vu des miliciens? Non, je ne peux pas mentir. Je n'ai pas vu de miliciens. Seulement, j'ai vu les hommes en tenue militaire. D'accord. Nombreux.
une grande quantité. Et à l'intérieur du stade, ce que mon œil a vu, un seul policier, le policier qui a couvert ramassé la nudité de la femme. D'accord. Et vous avez vu quel type d'armes? Les armes que vous avez vues là-bas? Bon, au moment où on m'a dit de prendre la moto, en ce moment, les armes, l'arme que j'ai vue, c'est PMAK. PMAK. C'est ce que j'ai vu. Parce que quand il a dit prendre la moto, j'ai monté le pied comme ça pour aller, mais il a orienté directement. Moi, j'ai enlevé mon pied. La balle est rentrée. Si je n'avais pas enlevé, ah ouais, j'allais encore me voir avec un pied coupé, peut-être. Mais vous n'avez pas vu de pistolet? Non, ce n'était pas pistolet. J'ai dit PMAK. Oui, en dehors. De... Bon, là, je n'ai pas vu pistolet. Je n'ai pas prêté attention à ça. Et le monsieur qui était cagoulé aussi avait même arme aussi, PMAK. D'accord. Et en votre qualité de journaliste, quelles sont les nouvelles que vous avez eues par rapport au cas de fosse commune, d'esclavage sexuel, des tortures? Qu'est-ce que vous avez appris à cette époque-là, puisque vous étiez dans l'information même, s'il faut le dire? Bon. Ici, il y a assez de rumeurs. Et si on s'en tient souvent aux rumeurs, on risque de passer à côté. J'ai entendu qu'il y a eu des fosses communes. Où? Je ne sais pas. J'ai entendu, ah non, les gens ont été jetés dans la mer et que Sierra Leone même a récupéré un corps. Ça, c'était dit comme ça aussi. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, parce que je n'étais pas là-bas où Sierra Leone a ramassé un corps. Je n'étais pas où ils ont mis ces gens-là dans une fosse commune. Je n'étais pas là-bas. Donc, c'est ce que j'ai juste appris. D'accord. Et je ne développe pas ça aussi, parce que ce que tu n'as pas vu, c'est pas facile de le développer. D'accord. Et au stade, en dehors de cette femme nue, est-ce que vous avez assisté à d'autres cas de viol? Bon, cas de viol, je n'ai pas vu, sauf la femme qui a été mise nue, parce que j'étais sur la tribune couverte en haut. La seule. Donc, je suis parmi les dernières personnes presque qui ont quitté le stade. Parce qu'on était en haut, c'est par nous on a terminé. Ils ont terminé. Et où est votre moto? La moto, c'est resté là-bas. C'est avec les militaires. Ils ont pris la moto? Je ne sais pas s'ils ont pris ou pas. Mais quand Baba Mal était venu ici, il devait faire dédicace. C'est moi qui devais le présenter avec maman Hadja Kankalabé. Je suis parti, je me suis souvenu. Là où ma moto était garée, je ne l'ai pas vue là-bas. Depuis vous l'avez dit, c'est parti. Depuis vous ne l'avez pas retrouvé? Je ne l'ai pas retrouvé. La caméra aussi? La caméra aussi, l'enregistreur, le micro aussi. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, le parquet a terminé. La défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Massaré. Oui. Vous êtes allé au stade en tant que manifestant ou journaliste? Pas en tant que manifestant, en tant que reporter. Journaliste, reporter. Oui. Et jusqu'où vous avez assuré la couverture des événements du 28 septembre? Jusqu'où j'ai assuré la couverture des événements? C'est jusqu'à ce que les militaires sont arrivés. Oui. Est-ce que c'était seulement l'esplanade ou la pelouse? Donc je voudrais que vous soyez un peu précis. Ou bien si vous avez eu à couvrir l'ensemble des événements du 28 septembre. Bon, c'était le jour. Le jour. Après le jour, j'étais convalescent. La plaie était là et je n'ai pas pu continuer le lendemain ou quoi.
Vous étiez au nombre de combien de journalistes présents au stade du 28 septembre? Bon, c'est nombreux. Mais ceux qui ont été victimes, il y a Zakaria Camara, l'acteur directeur Téléfilm FM. C'est lui-même qui m'a formé. Zakaria Camara? Oui. Et aussi un autre journaliste de Sabari FM aussi qui a eu le bras cassé. C'est les trois là, plus Tierno Alpha Ibrahima. Et Moïse est sorti de l'eau, celui qui était à l'espace. Actuellement, il est à l'espace Zéro Corée. Voilà, lui aussi, il était là. Bon, il y avait beaucoup d'autres. Mais vu la distance, le temps, les années, plus de 10 ans maintenant, j'ai oublié d'autres. Okay. Et ils ont été blessés aussi, agressés et blessés, comme vous? Zakaria a été blessé, je viens de le dire tout à l'heure. Un autre journaliste de Sabari, à ma connaissance, il aussi, le bras était fracturé aussi. Et il y en a aussi qui ont subi des contusions corporelles. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que je viens de dire. Zakaria, moi et celui qui était à Sabari. Où précisément vous avez été agressé au stade? Moi j'ai été agressé juste en quittant sur la loge officielle. Quand je suis descendu, j'ai sauté ici, là, lui il était déjà à terre. Je suis parti à la sortie où il y avait ma moto. C'est là-bas que j'ai été blessé. C'est quand ils m'ont identifié. Après, maintenant, ils ont dit, prends ta moto. J'ai enlevé, j'ai déverrouillé. Le temps pour moi d'allumer, il envoie la balle. C'est là-bas, à la porte du stade. Ok. Et puisque vous avez été agressé dans l'exercice de votre métier de journaliste, alors, est-ce que par la suite, vous avez rendu compte à votre rédaction? Oui, la rédaction a été informée. Dès que je me suis rendu compte que quelqu'un est en train de me traîner au sol, je me suis levé, j'ai repris conscience et je me suis échappé dans ses mains. Je suis allé derrière le bureau de DEM. C'est à partir de là-bas que j'ai appelé à la rédaction pour dire que j'ai été agressé. Et quelle a été la réaction? Par la suite, quelle a été la réaction? Ils m'ont dit de se patienter puisqu'il n'y a pas de circulation et il n'y a pas de véhicule. Les rues sont vraiment presque impraticables de garder. La patience, ils viendront me chercher. Pourquoi vous n'avez pas écrit comme M. François Lucien Fall? Il est victime, comme vous. Pourquoi vous n'avez pas écrit comme M. Moustapha Sano sur les événements du 28 septembre en tant que journaliste? Écrire quoi? Un livre? Oui, un ouvrage, bien entendu. Vous êtes en tant que journaliste historien des temps modernes. C'est comme ça que vous vous appelez, n'est-ce pas? C'est pas mal. Oui. Peut-être dans le temps à venir, nous allons voir comment est-ce qu'il faut écrire. Mais je pense que les choses, j'ai été bref ici. S'il y avait assez de détails, des choses, on pouvait dire, ok, il faut écrire. Mais pour combien de pages, ce que je viens de dire ici? Peut-être qu'on peut argumenter et augmenter autre chose, mais je pense que c'est mieux comme ça. Vous, personnellement, vous appartenez à quelle ONG? AVIPA, AFADIS ou OGDH? J'appartiens à AVIPA. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mansaré, hein? Oui. Je voudrais savoir si, à l'époque, il pouvait y avoir des caméras de surveillance, puisque vous êtes journaliste. Où? Au niveau du stade. Le stade, jusqu'à présent, n'a pas de caméras de surveillance. Et est-ce que vous pouvez imaginer ce jour-là qu'un journaliste pouvait y sortir avec ces éléments qu'il a pu filmer? Ces caméras. Reprenez la question. Est-ce que ce jour, un journaliste comme vous pouvait sortir du stade avec sa caméra ou avec des éléments qu'il a obtenus? Moi, je pensais sortir avec, sinon, c'est pourquoi j'ai envoyé. Si je savais
qu'on ne peut pas sortir avec ça. Je ne peux pas prendre une caméra chère comme ça, amener ça au stade sans laisser à la maison. Vous savez pourquoi je pose la question? Non. On nous a dit qu'il y a des pièces du dossier, des éléments. Qui a ces éléments? C'est ici, quelque part. Okay. Est-ce que, selon vous, un journaliste pouvait garder, pouvait sortir du stade avec des éléments qu'il a enregistrés? Vu la situation, c'est ce que je viens de répondre tout à l'heure. Oui. Si je sais que en allant, je ne peux pas sortir avec ça, je peux laisser à la maison. Et ceux qui ont eu des éléments ou des pièces, ils n'ont qu'à les montrer aussi. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Bien. Monsieur Massaré. Oui. Juste deux questions. Hein. OK. Ces deux questions-là, ce sont des questions de reprécision. On est d'accord? OK. Alors, vous avez parlé tout à l'heure Moutar Diallo. Je vous informe que ce n'est pas Moutar Diallo, mais plutôt c'est Moutar Ba. Ah, OK. On est d'accord? C'est l'erreur de langage. D'accord. Pas de problème. Ça arrive des fois. Est-ce que c'est le micro de M. Moutar Ba qui a été retiré ou bien la caméra? Moutar Ba lui-même? Oui. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on lui a dépossédé de ses appareils, de ses instruments. Quel type d'instrument? Avec qui, quoi il peut faire? Parce que lui, il fait le direct avec RFI ou bien il peut enregistrer. Ça peut être le téléphone, ça peut être l'enregistreur. Donc, on vous a donné cela comme information, vous n'avez pas vu? Oui. Vous n'avez pas vu? J'ai pas vu. Alors, mais pourquoi vous avez parlé le micro? Bon, j'ai parlé de mon propre micro. Mon propre micro a pas, été retiré. Pas pour, d'accord, mm-hmm. Pas pour Moutar Ba. Mm-hmm. Pas pour Moutar Ba, hein? Voilà. J'ai parlé de mon propre micro. J'ai compris ça. Ok. Mais et pour Moutar Ba, Moutar Ba? J'ai dit ça peut être. Peut-être est un adverbe de doute, non? Mais dans un premier temps, vous avez été précis devant ce tribunal. Comment? Vous avez même nommé. Comment? Vous avez parlé de la caméra. Oui, ma caméra. Ah, vous? Oui. Pas pour Moutar. Mm-hmm. Pas pour Moutar Ba. Pas pour Moutar. J'ai dit ma caméra. D'accord. Donc tout ce qui a été dit et concernant Moutar Ba, on vous a informé. Merci. Parce que je l'ai trouvé arrêté déjà en face. L'action déjà était passée. Quand j'ai eu l'écho, j'ai caché pour moi. D'accord. Pourtant Moutar Ba, il n'a jamais fait le cas. Il n'a jamais signalé, il n'a pas donné d'information. Voilà. Cela dépend de lui. Cela dépend de lui. Il y a les gens qui ont été victimes. Ils ne sont peut-être pas allés dans une ONG. Quand parce que ça dépend d'eux, de leur volonté. Oui. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais quand je prends le cas de Moutar Ba, et on ne peut pas lui retirer le micro et puis, ou bien la caméra et sans qu'il ne reste idem sans donner cette information. Ah, je pense ça c'est... Ouais, c'est bon, c'est pas une question. Merci. Bien, vous avez parlé tout à l'heure que Colonel Tchigourou avec les manifestants. Vous avez parlé du cas de Cortez. Est-ce qu'il y a eu un débat même entre Colonel Tchigourou et les manifestants par rapport au Cortez? Qu'est-ce qu'on appelle débat? Est-ce qu'il y a eu des échanges entre Colonel Tchigourou Camara et les manifestants? Cela est différent du débat. Ici, oui. Quand ils sont partis, parce que moi, quand on a fait le départ, ils ont dit, OK, alors on va prendre les leaders. Moi, je suis parti pour prendre ma moto où je l'ai garée. Avant que je ne vienne, j'étais déjà bougé. Okay. Avant que moi je n'arrive, j'ai trouvé déjà contestation. Les manifestants ont dit, non, c'est nous-mêmes qui allons cortéger les leaders. Tchigourou dit, non, attends, on va les sécuriser. C'est là-bas même qu'il y a eu maintenant gaz lacrymogène. Mais la distance en ce moment, puisque je suis venu en retard, était un peu. Voilà. Ok, c'est bon, ça suffit. Merci. Monsieur Massaré. Oui.
vous êtes journaliste ou pigiste? C'est-à-dire pigiste? Non, moi, c'est une question. C'est moi qui pose des questions. Je suis journaliste. Vous êtes journaliste. Et est-ce qu'au cours de l'entretien avec les leaders, je veux parler de colonel Moussa Tchebor Camara, est-ce qu'il a été question de cortéger les leaders? Parce que vous avez parlé de cortège tout à l'heure. Pas, tout de suite encore, vous parlez de sécurité. Je ne vous comprends pas. Est-ce qu'il a été question de cortège, de cortéger les leaders? Est-ce que cela a été évoqué? Quand ils ont pris le départ pour aller se rencontrer avec eux pour les cortéger, ça, j'ai entendu ça. Et c'est cette discussion qui a envoyé gaz lacrymogène là-bas. Parce qu'il y a eu quelque chose qui était chaud. C'est pourquoi moi, je suis rentré vers la Fondis avec ma moto pour aller sortir de l'autre côté. Il ne peut pas y avoir gaz lacrymogène sans qu'il y ait quelque chose quand même. Ou bien Qui a parlé de cortège? Qui a dit on va cortéger les leaders? Qui l'a dit? Les manifestants ont dit qu'on va cortéger. Et lui, Tchegboro aussi, il a dit que lui-même, il va le faire parce qu'il veut les sécuriser. Mais dans ça, il y a eu contestation et gaz lacrymogène est là. Vous savez que les leaders n'ont jamais parlé de ça ici. Hein. Il y en a qui sont venus. C'est pas devant eux, ça a été dit. Parce que si de rond-point ou de l'esplanade, on dit allons, on va cortéger tel, les leaders sont de l'autre côté. Comment est-ce qu'ils peuvent entendre cela? Et qui vous a dit, parce que vous avez dit qu'on vous a rapporté ça, qui vous a dit qu'on a retiré le micro ou concernant M. Mukhtar Ba? Je ne connais qui pas. Vous a dit, qui vous a dit? Je ne connais pas la personne parce que si c'était au moins entre nous, les journalistes là-bas, hein, mais si quelqu'un comme ça te dit, ah, il a fait ça tel, tu ne peux pas rapidement ou retenir la personne. Il m'a dit combien d'années maintenant? Je ne retiens pas, je ne connais pas la personne. Mais quand même, j'ai été informé. Et je l'ai vu arrêter face à face. Ok, ça, merci. Et vous dites que vous n'avez pas constaté que les agents qui étaient présents, les agents des services spéciaux, vous n'avez pas constaté qu'ils étaient armés. C'est ça, vous confirmez? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça. Vous le confirmez? Je dis ce que je vous ai expliqué, prenez cela. Qu'est-ce que vous avez expliqué? Qu'il soit confirmé. Non, je viens de dire non. Ils m'ont demandé si j'ai vu les agents avec les pistolets ou PMAK. Là où j'ai vu PMAK, j'ai indiqué là-bas. Ou bien? Les personnes que vous avez trouvées à l'esplanade, voilà, il y en a qui se tordaient de douleur. Est-ce que ces personnes avaient été agressées en votre présence? Je leur ai trouvé là-bas, c'est ce que j'ai dit. Je leur ai trouvé déjà là-bas, l'autre devant la porte de Yidado, pied fracturé. Le deuxième, là où les policiers s'assoient là, il était couché sous le dos, inerte, pas de mouvement. Troisième personne, c'est juste à la porte du stade. Lui, c'était un garçon de 14-15 ans comme ça. Lui, quand même, il était décédé. L'autre, là, je n'ai pas fait de constat ou touché ou quoi pour savoir. Mais la mort de l'enfant, lui, c'était déjà confirmé. Non, pourquoi vous confirmez que ces personnes ont été agressées par les agents des services spéciaux? J'ai donné un proverbe. Si vous me trouvez dans votre maison et qu'il n'y a personne là-bas, votre absence au père, vous allez prendre qui? Qui? Ici, qui, est qui est agent? Tchegboro est agent, non? Il est reconnu que c'est les agents qui doivent porter les armes. Il est reconnu que les agents qui doivent porter les trucs, nous n'avons pas d'autorisation. Si vous trouvez quelqu'un dans votre maison et que votre argent est perdu, qui vous prenez? Devant ce tribunal, vous avez quelle preuve
que ces personnes ont été agressées par les agents des services spéciaux. La preuve est qu'on a trouvé quelqu'un sur le terrain. Pardon? La preuve est qu'on a trouvé Tchegoro sur le terrain. Et il a donné des instructions devant vous, parce que vous-même vous dites que ces personnes ont été agressées à votre insu. Il a donné des instructions devant vous? Je vous ai dit que j'ai trouvé. Et l'exemple que j'ai pris, vous n'avez pas répondu à la question là. Moi, je ne suis pas là okay. pour répondre à la question. Mais dernière question. Oui. Et tout le temps que vous avez passé ensemble, hein, je veux savoir exactement si vous étiez présent. Tout le temps que vous avez passé ensemble, quelle est aujourd'hui, quelle est votre impression? Le temps que vous avez passé là-bas, en présence de colonel Moussa Tchegoro Camara, vous, votre impression? Mon impression, c'était la peur déjà. Non, à son égard, le concernant, votre impression sur lui. Vous suivez ce procès, non? Bon, des fois je suis, des fois je ne suis pas parce que il me faut travailler. Je sais, vous travaillez. Vous n'êtes pas obligé de répondre non plus. Je vous demande quelle est votre impression par rapport à l'entretien qui a eu lieu devant vous. Je n'ai pas d'impression par rapport à cela. Je vous remercie, M. Massari. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions. Elle a plus. Terminé pour la défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poser quelques questions. D'abord, Monsieur Mansari. Oui. Vous avez dit que vous êtes allé au stade en tant que journaliste, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y avait, vous aviez un badge, des habits qui laissaient penser que vous étiez effectivement journaliste? J'étais bel et bien identifié parce que j'avais un badge que je portais au cou pour que je sois identifié. Et aussi le micro que j'avais aussi, c'était écrit déjà, le nom de la radio était non. écrit là-bas, sur là-dessus. On ne pouvait pas vous confondre à un quelconque manifestant à travers ça, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, vous n'avez pas été épargné. J'ai pas été épargné. Est-ce qu'il y a eu est-ce que les FDS ont fait la distinction entre ceux qui venaient travailler au stade et ceux qui venaient manifester? Il n'y a pas de distinction là-bas. Donc, ils ont molesté... tuer toute personne qu'ils pouvaient tuer, n'est-ce pas? En tout cas, même tous ceux qui étaient sur leur passage. Très bien. Moi, je pensais que je pouvais être vraiment épargné parce que un reporter, je sais, beaucoup ne me connaissent pas, mais je peux dire, dans la capitale ici, 60% connaît celui qu'on appelle Mansaré. Très bien. En tant que journaliste, quand vous êtes venu le matin à l'esplanade du stade, vous avez vu deux corps, n'est-ce pas? Deux victimes. Oui, trois victimes. Trois victimes. Oui. Sur ces lieux-là, est-ce qu'il y avait un haut gradé plus que le colonel Tchegoro? C'est lui qui était là-bas comme responsable. Très bien. Il était avec son équipe. Est-ce qu'il était accompagné d'agents qui lui obéissaient? Il ne se promène pas seul. Cela il y avait des agents autour de lui. Quand vous dites qu'il ne se promène pas seul, vous faites référence à toutes les personnes qui peuvent l'accompagner? Oui, il était quand même avec ses agents. Sur lesquels il peut effectivement exercer une autorité, oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce que vous savez que ce n'est pas vous qui êtes le premier à venir confirmer qu'effectivement, sur l'esplanade du stade, avant même que les leaders n'entrent, qu'il y avait déjà deux morts? Cela a été dit dans plusieurs procès-verbaux. Je vous l'apprends. Merci beaucoup pour ça. Très bien. Est-ce que au moment où, quand vous êtes venu constater cela, est-ce que le colonel Tchegoro était présent dans les environs? Oui, il était présent, parce que c'est pourquoi quand j'ai pris l'écho qu'il a déjà déposé de l'autre là de ses choses, moi aussi j'ai caché pour moi et j'ai continué devant pour continuer à faire la collecte des informations. Très bien. Donc, il ne pouvait pas ignorer qu'à cet endroit précis, il y avait déjà trois victimes, n'est-ce pas? Oui. Selon vous, en tant que responsable militaire et ministre, quelle aurait dû être sa réaction si, par exemple, il constatait que sur ces lieux, il y avait déjà trois victimes? Quelle aurait dû être sa réaction? Est-ce qu'il devait faire arrêter ceux qui ont commis ces crimes ou alors, qu'est-ce qu'il devait faire, à votre avis? C'est de prendre les responsabilités parce que c'est un haut gradé de l'armée et vouloir laisser la situation comme ça,
ça risque de tourner autrement. Donc, mais s'ils ne prennent pas ses responsabilités, ça veut dire qu'il y a... Est-ce que des actions ont été menées pour justement enlever ces corps sur ces lieux, ou bien le colonel Tchéboro a continué ce qu'il avait à faire? Bon, jusqu'à ce que moi j'ai quitté là-bas, on est allé à la rencontre des leaders. Je n'ai pas vu quelqu'un venir prendre ces gens-là. Seulement, à notre rentrée au stade, je n'ai même pas regardé le petit qui était couché parce que la foule était déjà là. Donc, on est rentré comme ça. Très bien. Vous avez fait état d'une discussion entre Mukhtar Diallo et le colonel Claude et le colonel Tchéboro. Est-ce que vous pouvez nous donner la quintessence? Est-ce que c'était cordial, amical, ou est-ce que vous avez entendu des mots au cours de cette discussion? Une discussion là où on te dépossède de ce que tu as ne peut pas être cordiale. C'est que ça ne peut qu'être de façon un peu chaude. Dites-moi, vous parlez de Mukhtar Ba, le journaliste? Oui, Mukhtar Ba de RFI. Très bien, je vais rebondir. Moi, je parlais du politicien, mais je vais rebondir sur votre réponse. Okay. Est-ce qu'au moment où on dépossédait Mukhtar Ba de son matériel de travail, est-ce que le colonel Tchéboro était présent? Il était en face de lui. Il était en face de Mukhtar Ba? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher cela? Bon, là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je l'ai trouvé déjà en face. Est-ce que quelqu'un m'a dit, ah, Abara Boreka Matériel Ba Irago. Donc, quand il a dit ça, moi, j'ai caché pour moi. Très bien. Et si vous n'aviez pas caché, peut-être qu'on aurait retiré tout de suite votre matériel, oui, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Vous avez dit également que... Revenons maintenant à Mukhtar Diallo. Est-ce que vous avez suivi la discussion qu'il y a eu entre le colonel Tchéboro et Mukhtar Diallo? Bon, je ne l'ai pas suivi tout chose comme ça, parce que quand j'ai appris qu'il a retiré quelque chose avec lui, j'ai eu peur déjà. C'est directement que je me suis faufilé. Très bien. Pour continuer ailleurs. Très bien. Donc, vous avez peur aussi pour vous. Voilà, j'ai eu peur. Très bien. Et vous avez dit à un moment donné que vous aviez déjà filmé beaucoup de scènes. Oui. Malheureusement, vous avez été intercepté par un policier, oui ou non? Oui. Et on vous a conduit dans un poste de police. Mm-hmm. Très près. Vous parliez de quel poste de police? Le poste de police qui est juste au esplanade, qui était au esplanade de truc là-bas, de stade. Juste sur l'esplanade du stade. Voilà, en rentrant au stade à droite. Très bien. Le commissariat urbain là. Est-ce qu'à cet endroit, on vous a soumis à un interrogatoire? Bon, ils m'ont demandé pourquoi je fais ça. Je me suis présenté, j'ai dit que je suis journaliste, mais ils ont dit que non, ça ne se fait pas. On ne va pas te permettre de le faire. Directement, ils ont retiré la caméra et ils savent manipuler. Ils ont rentré là-dedans, ils ont tout effacé, même mes anciennes images. Très bien. Enlevé. Est-ce qu'il y avait des officiers dans ce poste de police? Bon, ou bien vous n'aviez affaire qu'à des sous-officiers? C'était des sous-officiers. Parce que je n'avais pas vu un responsable là-bas. Certainement, ils étaient en retard parce que c'était le matin. Ils n'ont pas décidé de venir très tôt. Mais ceux qui étaient là-bas, c'était des sous-officiers. Donc, quand on vous a arrêté, on a fait disparaître toutes les preuves de toutes les. Ils ont fait disparaître dans votre appareil toutes les preuves qui étaient susceptibles de les incriminer, oui ou non? Oui. Très bien. Avec ça, M. Mansaré, est-ce que vous ne pensez pas que c'est. Toutes ces actions reliées les unes aux autres participent et ou alors démontrent qu'il y avait une concertation dans le cadre de la perpétration et pour l'effacement de toutes les preuves? Ça peut être pour annuler les traces, mais aussi porter atteinte aussi à la liberté de l'expression. C'est notre loi en Guinée, déjà. On dit que la liberté d'expression, ça, c'est là déjà, mais une fois journaliste, ces caméras, truc, pris comme ça, là, il n'y a pas une liberté. Voilà, je voudrais terminer avec la permission de M. le Président par dire que Mukhtar Ba, dont on parle, viendra bientôt à cette barre. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. M. Massaré. Oui. J'ai cru comprendre, lorsque vous parliez, que des militaires étaient postés vers le tableau d'affichage des scores au stade. Oui. Est-ce que sur cette position-là, on a une vue sur l'ensemble du stade? Si on a une vue... Vue sur le stade. Bon, mais c'est possible. Est-ce que ces militaires étaient armés?
J'ai pas entendu leur réponse. Ils étaient armés. Est-ce que vous les avez vus tirer? Quand la première personne est tombée vers la droite, au fond. Parce que quand quelqu'un tombe, il faut chercher la direction d'où vient la balle. Dans la recherche, j'ai fait comme ça, regardez, j'ai vu directement les gens arrêtés, alignés, sous le panneau, orientant maintenant le fusil en bas. Donc il vous a semblé que le tir qui a pu faucher cette personne venait de ce côté-là. Oui, parce que ceux qui ont tiré en bas étaient venus tout récemment. Okay. Tout récemment. Parce que le jeune qu'ils ont tiré et qu'il est venu s'agenouiller sur lui pour continuer à tirer, c'est les autres sous le panneau-là. J'ai vu en première position et j'ai vu maintenant les autres là rentrer et ils ont commencé déjà à tirer. Donc quand on voit ça, on peut penser qu'il y avait une stratégie en place. Il y avait une stratégie. C'est comme si on partait à la chasse des accoutis. Il faut d'abord encercler le bas-fond. Après, maintenant, vous laissez les chiens rentrer pour remuer les accoutis. Ceux qui sortent maintenant, là, on tape. C'était la stratégie. Même si c'est sadique, merci de cette image-là. Confirmez-vous avoir vu une personne encagoulée tirer? Oui, je confirme cela. Est-ce que cette personne était en tenue militaire? Il était en tenue militaire, gros, géant. Est-ce que bien clair aussi. Est-ce que vous pouvez identifier à quel corps appartenait la tenue que cette personne portait? C'est une tenue militaire, treillis. Est-ce que avant cette date, le 28 septembre, vous avez vu des forces de défense et de sécurité ici en Guinée être encagoulées? Non. Ce que je connais de ce régime, c'est les lunettes. Le régime de Dadis, c'est les lunettes. Même dans les taxis, c'est les lunettes. Mais cagoulées, c'est ce jour que j'ai commencé à voir cela. Donc on peut penser que cette personne était venue pour faire mal et elle ne voulait pas être reconnue. En tout cas, ce jour-là, cette personne-là, franchement, elle était venue pour ça. Parce que quand nous étions sous la loge officielle en haut, lui, il a commencé à tirer en direction des gens. Ce n'est pas en haut, hein. Comme ça, à bout portant. Il a commencé à tirer. Maintenant, j'entends une voix en bas. Descendez, descendez, avec force, mais je ne vois personne. Qui? La voix de qui? Les militaires sont beaucoup. Okay. Il y a une personne qui était vraiment en train de sauver, qui veut sauver, mais il y a une autre qui est devant avec le fusil. Mais celle qui disait descendez, vous l'avez vue? Je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vu à mes yeux, mais j'ai fait une simulation pour essayer d'identifier dans ces jours-là, c'est qui. Parce que cette voix-là, elle est, pour moi, elle n'est pas familière, mais elle est unique. Quand le jour que, je ne connais pas la date, mais le jour que Toumba a dit, hey, « Hé, Marcel !» C'est comme si c'est, les deux voix se ressemblent. Je ne dis pas que c'est lui, hein, mais les deux voix se ressemblent. La voix que j'entendais au stade, venez, venez. Et cette voix que j'entendais avec Toumba ici se ressemble quand même. Ok. Ma dernière question. Ce que vous avez vu au stade, est-ce que vous pouvez dire que c'était vraiment une répression de la manifestation qui avait été planifiée? Ça, c'est plus que répression, même. C'est trop. Merci, M. Massari. Okay, merci. Merci, M. le Président. Et merci, M. le journaliste, M. Manzari. M. Manzari, vous étiez venu au stade en tant que journaliste. Oui. Est-ce que vous aviez constaté les manifestants avec des armes? Je n'ai pas vu. Est-ce que de votre radio jusqu'au stade, vous avez rencontré des manifestants avec des armes? Bon, là, de la radio, on n'a pas pris la route de Prince parce que c'est la route de Prince que les manifestations ont suivi. Manifestants ont suivi. Oui. Moi, j'ai pris la route de RTG Tawia
Je suis venu sortir à Amdalaï. Mais de Amdalaï voilà. Au stade, vous avez quand même vu des manifestants. Bon, je n'ai pas vu un manifestant avec une arme. Une arme. À vrai dire, je n'ai pas vu. D'accord. Selon vous, ce que vous avez vu au stade, les militaires en train de tirer, cagouler, qu'est-ce que cela pouvait expliquer? Qu'est-ce que ça pouvait expliquer, ce comportement? Reprenez la question et à haute voix, s'il vous plaît. Vous avez vu, vous êtes journaliste. Oui. Malgré qu'on vous a dépossédé de vos biens, quand même, vous avez le film de l'événement. J'avais. Ce que vous avez vu en tant que journaliste, oui. Cette répression, qu'est-ce que cela pouvait justifier? Ça justifie, bon. Ce que ça justifie ou ce que ça dit ou ce que ça nous amène à penser, c'est ça votre question, oui. Non? Ce que vous avez vu là. Voilà, c'est le carnage. Le carnage. C'est dommage pour notre pays. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mansaré. Oui. À votre procès verbal d'audition, il est joint un certificat médical, un contrat d'achat d'une moto et une facture de paiement d'une moto. Est-ce que c'est cette moto qui vous a été retirée au stade? Un contrat d'achat, oui. J'avais déposé les dossiers de la moto, aussi le catalogue aussi de la caméra passée, elle était toute neuve. C'était une commande canadienne de fabrication chinoise. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez constaté une communication entre les bérets rouges que vous avez vus au stade? Bon, non, je n'ai pas constaté cela. S'il y a eu communication, s'ils s'appelaient, non, je n'ai pas constaté cela. Vous n'avez pas entendu une autre voix parmi eux, à part la voix que vous avez entendue dire « venez, venez » ? Je n'ai pas entendu d'autres voix, mais j'ai constaté aussi un meneur. Je ne connais pas qui, mais c'était vraiment un meneur. C'était un homme de taille courte, comme ça. Un meneur, je dis. C'est comme si, vous voyez, les personnes qui dirigent, les pasteurs qui suivent les moutons. Des fois, quand un mouton va par là, il va pour le ramener, il va par là. C'est comme ça. C'est comme si, comme ça, la personne faisait avec l'équipe qui était là. C'est comme s'il était en train d'encourager. C'est-à-dire, il n'était pas tranquille. Un peu partout, mais je ne connais pas c'est qui vraiment. Il donnait des ordres, ce monsieur. Est-ce qu'il donnait des ordres? En tout cas, il était derrière quand même. Derrière ou bien devant la troupe? Il était derrière. Il était derrière. Uh-huh. D'accord. Cette personne-là, est-ce que vous avez pu la remarquer parmi les accusés qui ont défilé à la barre? Je n'ai pas eu bonne mémoire pour les remarquer, franchement. Parce que ceux qui sont passés à la barre, je connais Pivi. J'ai fait le reportage avec lui le jour qu'il au temps de l'ancien comté, le jour qu'il a arrêté des bandits à la cimenterie. Il est allé à Coloma et ce jour même, une femme missionnaire a été violée derrière l'usine de métal Guinée. Je suis monté dans sa voiture, on est allé. C'est moi qui ai fait le reportage ce jour. Dans son gardien, les bandits ont mis sa tête dans le sac, ils ont attaché. Et dans le fourré sac, ils ont attaché ses mains. Il est mort par asphyxie. J'ai vu Tchekboro et Sourkin. Pivi, je le connais. Et Dadis, je l'ai interviewé deux fois. Le jour qu'il a diminué le prix de vignettes. Et aussi à Donkai, c'est les deux fois que j'ai... Tchekboro, lui, c'est une fois. Parce que... Mon dossier dans le reportage, c'était quoi? C'est le crime. Tout ce qui était de crime, c'était ça, mon dossier, moi. Vous n'aviez jamais rencontré M. Marcel Guilavogui? Marcel, je l'ai vu à la maison centrale parce que j'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. Avec Terre des Hommes. En ce moment, j'ai cessé de travailler à la radio. Terre des Hommes, il y a eu un contrat entre nous. On a travaillé là-bas. Je l'ai vu là-bas. Et je connais Marcel. Et chose que cessé. Qui a un don colossal d'interprétation de rêve. Je le connais. C'est à ma présence que Toumba est arrivé en prison là-bas.
J'ai quitté la maison centrale le 12 mars 2020. Dans les démarches de ces meneurs des militaires au stade, vous n'avez trouvé aucun trait chez M. Marcel Guilavogui? Franchement, il faut que je m'en là. Je ne peux pas l'accuser si c'est lui ou si ce n'est pas ça. Seulement, quelqu'un qui était là court. Robis, mais meneur, franchement meneur. Très agité. D'accord. Ce meneur-là lui-même, il tirait? Il avait une arme à main? C'était le gilet qu'il avait, mais c'était seulement le gilet qu'il avait. Il n'avait pas d'arme à main? Je n'ai pas remarqué cela. Il avait un gilet, mais qui était un peu partout. D'accord. Ce n'est pas écrit dans mon audition, c'est maintenant que je me rappelle quand vous me posez la question. Parmi ces bérets rouges, est-ce que vous avez constaté au moins un d'entre eux s'opposer au tir? Ah, non. Sauf la voix qui disait venez. Peut-être elle appelait pour sauver, peut-être, ou elle appelait parce que l'autre là aussi tirait, on ne sait pas. Mais cette voix qui disait venez, c'est pas une voix dangereuse. Je peux dire. Vous n'avez constaté aucun des militaires décourager les autres? Non, personne ne nous décourageait. Là où il y a déjà un meneur dans une équipe, ce n'est pas facile de trouver là-bas quelqu'un qui va décourager pour dire qu'il ne faut pas tirer. D'accord. Est-ce que vous avez constaté des rapports, sinon des relations entre ces militaires-là et les miliciens au stade? Si, les rapports? Oui. Bon, ici c'est un mouvement. Si c'est un mouvement, il n'est pas facile de dire qu'il y a un tel rapport entre ça et ça. D'accord. Lorsque les juges d'instruction vous ont posé la question de savoir quelles sont les forces de défense et de sécurité que vous avez vues au stade, vous avez répondu qu'il y avait la police, les gendarmes dirigés par le colonel Moussa Tiégoro Camara et les bérets rouges. Oui. Je voudrais savoir, puisque les gendarmes étaient dirigés par le colonel Moussa Tiégoro Camara, est-ce que vous l'avez vu mobiliser ces gendarmes-là à l'effet de secourir les manifestants? Pour secourir les manifestants? Oui. Je n'ai pas vu cela. Vous n'avez pas constaté ça? Je n'ai pas constaté cela. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la partie civile a terminé pour le moment. Excusez-vous, comptez la question. Okay. Autant pour moi, Monsieur le Président, il reste de nos confrères qui vont continuer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Manzari, oui. Vous étiez sur la tribune. Oui. Quelle était votre position par rapport au leader? J'étais en première position à l'aile droite. Mais un peu en bas pour faciliter la prise des images. Parce que si on était au même alignement, on ne peut pas. Mais j'étais à l'aile droite, un peu décalé. Bien, nous avons des images qui circulent où les leaders ont pris la parole. Des leaders, un à un, ont eu à parler. Même si leur voix n'était pas audible pour tout le stade. Vous étiez déjà là? J'étais déjà là, c'est devant moi, Jean-Marie Doré est rentré en dernière position, dans les mains des jeunes, j'étais déjà là. Et je vous ai dit que je fais partie des dernières personnes qui ont quitté le stade. Même après moi, on ne peut pas compter 100 personnes qui restaient. Bien. Les leaders ont été sommés de descendre, n'est-ce pas? Vous avez entendu une voix qui disait « Venez ». Oui. C'est devant vous, ces leaders sont descendus. C'est devant moi, quand même, j'ai laissé le derrière. C'est devant moi, Silla a été sommé, il est tombé, moi je l'ai sauté. Bien, parce que beaucoup de leaders ont reçu des coups, ont été molestés quand ils sont descendus sur la pelouse.
Oui. Avez-vous constaté ceux qui faisaient cela? Qui les molestaient une fois qu'ils sont descendus? C'est des hommes entêtés militaires qui le faisaient. Ils étaient tellement nombreux. Et c'est le Dalin, quand il est tombé, vous étiez là? Non, je ne l'ai pas vu tomber. C'est après. Maintenant, comme eux, ils étaient derrière moi, j'étais devant. C'est un moment de panique. Et je ne l'ai pas lui quand même vu. C'est après maintenant que j'ai entendu dans le journal de 21h de notre radio que j'ai entendu maintenant qu'il a été touché. Bien. Revenant à vous-même, à quel moment vos caméras ont disparu? Est-ce quand vous étiez couché? C'est quand on m'a dit de prendre ma moto, j'ai essayé de prendre la balle. Je suis resté étonné, je perds conscience. Il y avait le sac, parce que moi, je porte toujours le sac devant ici, pour empêcher les voleurs de prendre, de déchirer quelque chose. Donc, quand j'ai perdu conscience, au moment où je me retrouvais maintenant hors du stade, je me suis levé, j'ai constaté, où est le sac? Il n'y en a pas. Tout ce que j'avais, même téléphone aussi, tout était parti. Je ne connais pas qui a pris. Bien. Vous avez dit que vous avez reçu une balle. Oui. Alors comment la balle, vous l'avez reçue? Maintenant, c'est après s'être me retrouver que j'ai su que j'ai pris une balle ici. Vous pouvez voir, c'est la trace est là. La balle a pénétré ou bien ça a frotté le... Ça a frotté la peau. C'est là où vous êtes tombé? C'est là-bas, je suis tombé, j'ai perdu connaissance. Arrivé à votre lieu de travail, vous avez fait un rapport écrit ou bien seulement quand vous vous êtes relevé, vous avez appelé pour donner l'information? C'est quand je me suis levé, j'ai pris la fuite, j'ai traversé le goudron, allé rentrer là où il y a le bureau de DEM. Derrière là-bas, maintenant, j'ai prêté un téléphone. J'ai appelé. Je leur ai dit que j'ai été blessé. Ils m'ont dit de se patienter, d'attendre d'abord, parce qu'il n'y a pas de circulation. On ne peut pas venir. Une fois que vous êtes arrivé après le traitement ou les premiers soins, vous êtes revenu au bureau, non? De Familia. Après les premiers soins, je suis resté à la maison jusqu'à la guérison. C'est en ce moment que j'ai repris le travail. Et vous n'êtes pas arrivé de faire un rapport écrit au directeur? Bon, je n'ai pas fait de rapport écrit au directeur parce que eux-mêmes, ils ont vu. Je suis leur travailleur et c'est à eux d'écrire ou de dire « Ok, allons, on va porter plainte. » Les soins, qui a pris les charges? Les soins, c'est professeur Ibalde qui m'a pris en charge. Et comme j'étais son ami, il m'a cherché. Dès qu'il a entendu d'abord, j'étais d'abord au stade. Il a appelé, il a dit, ok, amenez Mansara ici, je vais le soigner. Mais est-ce qu'ils ont dit? Je n'ai pas reçu l'information que Ibarlet t'appelle. Mais c'est le lendemain matin. On m'avait déjà envoyé dans une autre clinique. Lui, il a fait le travail, mais ce n'était pas aussi comme ça. Le lendemain matin, j'ai pu joindre le professeur. Il dit, ah, c'est toi que je cherche. Où tu es? J'ai dit, je suis à la maison. Il dit, viens, je suis venu. Il a vu le travail, il a repris avec Dr So. Il a repris. Le travail. Alors, quelles séquelles, ces blessures ont laissé chez vous dans votre mémoire, les séquelles dans votre corps? Bon, le plus souvent, c'est l'oubli. Vous dites? L'oubli. Ah, l'oubli. L'oubli. Parce que on peut dire quelque chose, on conclut. Des fois, toi, tu peux ne pas oublier, mais moi, des fois, quand tu me demandes, je vais dire quoi, rappelle-moi, bah. Tu me rappelles, je me rends compte maintenant, je dis que c'est ce qu'on s'est dit. Et vous n'aviez pas cela avant? Oui, je n'avais pas cela avant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole devant votre auguste et respectable tribunal.
Monsieur Mamadi Mansari. Oui. Est-ce que précédemment, le CNDD, avant le 28 septembre, avait l'habitude d'inviter la presse pour couvrir les événements au camp? Au camp? Au camp. Parce que si vous avez l'habitude de couvrir les événements du CNDD avant le 28 septembre 2009. J'ai couvert un seul événement au camp avec le CNDD, ça, le jour que les chauffeurs sont allés voir Dadis pour la diminution de vignettes. Et c'est ce jour, il a même pris la décision aussi de peindre les voitures, les taxis bleus. Il a ajouté aussi que maintenant, dans chaque taxi, un devant. Voilà, c'est cet élément-là que moi j'ai couvert. D'accord. Donc, dans cet esprit, le jour des événements du 28 septembre 2009, vous êtes rendu parce que vous devez couvrir l'événement, n'est-ce pas? Oui. Donc, arrivé là-bas, au niveau du Dixine, qu'est-ce que vous avez constaté? Arrivé à Dixine. Puisqu'on était sur moto avec Tierno Alpha Ibrahima, arrivé là-bas, on a vu un groupe où les gens, les jeunes, on a dit il y a quoi? Ils m'ont dit ils ont saccagé le commissariat qui est là. Ça, c'est à la belle vue que pas à Dixine. À la belle vue. Maintenant, à Dixine, au splanade du stade, c'est de là-bas que vous parlez, non? Oui, c'est ça. Ce que j'ai constaté là-bas. D'accord. Vous avez, au niveau, quand les manifestants ont dit allons chercher les leaders pour les amener au stade. Oui. Vous avez dit que le colonel Kebro est venu pour dire que il est venu pour sécuriser les leaders. Vous entendez par là, si on doit sécuriser les leaders, on doit sécuriser aussi les manifestants, n'est-ce pas? Mais si la personne précise, si la personne précise, ça veut dire l'autre côté, c'est ça m'en fout, ou bien? Normalement, le... Il a précisé. Le maintien d'ordre, c'est pour la population sans exclusion, ou bien c'est pour les leaders seulement? C'est de leur devoir. Oui. C'est pourquoi on dit pour sécuriser les citoyens et leurs biens. D'accord. C'est ça? Et vous avez su déclarer que vous avez rencontré colonel Kebro, mais vous avez eu la chance de ne pas le filmer, sinon il allait retirer votre caméra. Vous maintenez? Je n'ai pas dit qu'il allait, mais la peur s'est installée parce que j'ai entendu déjà qu'il a retiré les appareils de l'un de l'autre. C'est pourquoi moi aussi, comme j'ai entendu, je ne vais pas m'entêter comme ça et perdre ma caméra. J'ai caché. D'accord. Quand vous avez été blessé, on vous a envoyé dans une clinique. Est-ce que, à votre arrivée, vous avez été pris en charge directement? Dans cette clinique? Oui. C'était déjà dans les bandes de 18 heures. Il m'a pris en charge là-bas. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais c'est le lendemain, dans la clinique mère et enfant, que le vrai travail a été aussi fait. D'accord. Vous avez parlé d'un de vos amis, de Sabari FM, qui a eu le bras cassé. Oui. Vous avez ces nouvelles? Son bras a été... Depuis lors, je ne l'ai pas vu. Et Jacaria a organisé quelque chose. L'association des journalistes victimes, il faisait partie. Bon, on n'a fait qu'une seule réunion. Après ça, ça s'est arrivé. Et ça s'est arrêté. D'accord. Et dès lors, je n'ai vu personne sauf lui, Jacaria, que je vois, moi, et aussi Tierno Alpha Ibrahima, que je vois. D'accord. Au stade du 28 septembre, ce jour-là, comme vous avez toujours gardé votre sang-froid, quels sont les corps que vous avez identifiés au stade, à part la police et la gendarmerie? Non, je n'ai pas vu d'autres corps. Je ne peux pas. Vous n'avez pas vu les bérets rouges? Non, quand vous dites... moi, je dis... quand je vous dis... les hommes en tenue militaire, prenez cela, c'est,
qu'il soit police, qu'il soit gendarme ou béret rouge, c'est le tout. D'accord. Est-ce que vous avez vu des civils qui avaient les bandeaux rouges sur lesquels il y avait des courriers sur la tête? Quelqu'un les a vus, mais moi, je n'ai pas remarqué. Vous ne l'avez pas vu. Mm-hmm. Votre moto que vous avez perdue, ça vous a coûté combien? Vous savez, quand les Honda étaient venus tout nouvellement, c'était à bas prix. 1,5 million, vous pouvez avoir une Honda comme ça. Quelles sont les dépenses qui ont été faites pour que vous soyez soigné? Parce qu'on a tiré une balle sur vous, mais ça vous a frôlé, mais le sang est sorti sur vous. Vous avez été à l'hôpital. Quelles sont les dépenses que vous avez eues à effectuer? Ibalde est mieux placé pour ça, parce que c'est lui qui m'a pris en charge. Donc, il est mieux placé pour connaître les dépenses. C'est lui qui a fait les dépenses. Il m'aime beaucoup. Donc, ce jour-là, le 28 septembre 2009, vous avez été surpris du comportement de l'armée au temps du CNDD, n'est-ce pas? Vous avez été surpris de leur comportement. Bon, d'une part, vu le carnage qui s'est fait là-bas, qui ne se doit pas, dans les conditions normales, dans une manifestation, c'est la gendarmerie et la police. Mais une fois déjà d'autres corps qui n'ont pas appris à effrayer arrivent sur le terrain, voyez ce que ça va être. Est-ce que vous savez que le fait de vous retirer la caméra, détruire les images, c'était une façon de dissimuler l'ampleur du massacre? C'est ça, c'était une façon de cacher les choses, de neutraliser, de ne pas que les choses soient vues. Donc, par rapport à l'événement, aujourd'hui, quelle est votre conclusion après 13 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous avez dit, vous constituez parti civil, vous voulez que les auteurs, les commanditeurs soient punis à la dimension de leur forfaiture? Quel message vous voudrez lancer devant le tribunal? Ok, ce que... Moi, je suis toujours à la disposition du tribunal. Tout ce qu'ils vont dire, nos avocats sont là. Nous demandons à ceux qu'ils vraiment punissent non seulement les actes, mais aussi payer ce qui est perdu et le sang aussi coulé. D'accord. Ma dernière question, vous en tant que journaliste, selon votre déontologie, quand il y a un événement, quelles que soient les conditions, vous êtes tenu par l'obligation de filmer, ou bien quand la situation dégénère, vous pouvez vous retirer? Pas seulement que ça dégénère. Le reportage, c'est un processus du début, le milieu et la fin. Et quand tu vas, ce n'est pas seulement l'événement que tu vas, mais il faut faire la collecte. Quand on dit collecte d'informations, c'est collecter tout ce qui se trouve maintenant là, ou tout ce qui se fait maintenant sur le terrain. Vous collectez. Et comme vous venez de le dire, si toutefois il y a toujours des choses, si on peut partir, je suis un reporter, je me suis inscrit para, je dois sauter. Je ne dois pas m'agripper au fer. Même on dit tout à l'heure, va en Ukraine, Mansaré. C'est avec joie que je vais aller pour filmer, pour faire le reportage. Parce que c'est un travail digne. Merci, je vous souhaite courage. Et je vous remercie d'avoir venu donner votre version des faits au tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mansaré. Oui. Je voudrais revenir sur une de vos déclarations liée à cette personne que vous auriez vue agitée. Expliquez-nous un peu, brièvement. J'ai pris l'exemple ici. Je dis, une personne
agité, c'est comme si c'est une personne qui était derrière, encouragée. C'est-à-dire, j'ai pris l'exemple sur celui qui dirige les moutons. Quand un mouton va par là, il est là pour le cadrer, pour qu'il puisse aller là où lui-même veut. Ok. Est-ce que cette personne elle-même agissait en donnant des coups aux manifestants? On m'a demandé tout à l'heure, j'ai dit que c'est le gilet, je l'ai vu. Bon, je ne l'ai pas vu en train de donner les coups. Okay. Mais il était vraiment agité. Okay. Vraiment immobile. Est-ce que cette personne détenait un objet en main? Je viens de répondre. Je ne peux plus répondre à cela. J'ai déjà répondu à ça. Vous pouvez me rappeler? C'est pédagogique. J'ai oublié. D'accord. Est-ce que le temps que vous avez fait en revenant à la maison centrale, vous avez rencontré Marcel? Est-ce que cette personne que vous dites agitée pouvait ressembler à Marcel? Le temps, ça a pris assez de temps pour le reconnaître, pour dire que c'est lui ou pas. N'est-ce pas? Si c'est lui, je n'ai pas peur. Chegoro est là, non? Il me voit, il m'écoute. J'ai dit son nom. Ouais. Si c'est Marcel, je vais dire c'est lui. Ouais. Donc vous n'avez aucune certitude par rapport à la description de cette personne? En tout cas, je ne peux pas dire que c'est réellement est-ce que c'est Marcel ou quoi. Mais c'était une personne de taille moins, très agitée vraiment. D'accord. D'accord. Est-ce que vous savez que le camp Koundara, actuel camp Makambo, était la tanière de cette expédition punitive? Je ne savais pas cela. Vous avez entendu Boubacar Ba ici dire que quand ils ont été arrêtés, ils ont été déportés là-bas? Lui. Mais moi, je n'ai pas été déporté là-bas, donc je ne peux pas rien dire de là-bas. Est-ce que vous aviez connu Bégré? Non. Je l'ai pas. Vous n'avez jamais connu. Donc, vous ne pouvez pas faire un parallèle entre cette personne aussi et Bégré. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Massaré, je vous ai posé tout à l'heure une question, mais je reformule hein, par rapport à votre intervention de tout à l'heure. Vous avez plusieurs fois effectué des reportages en compagnie de Colonel Moussa Tchebolo Camara. Vous le confirmez? Vous l'avez dit N fois. Pendant ce moment-là, quelle impression vous avez eue sur cette personne? Sur la personne de Tchebolo, oui. Une personne qui, on te confie une tâche, il faut que tu te montres dynamique, non? Il faut que tu te montres dynamique. Donc, en ce moment, on voyait vraiment la ferveur de ces NDD, la lutte contre les bandits, les trucs. Bon, il y avait vraiment une effervescence. C'est tout? Pour le moment. Merci, M. Perrault. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Massaré, le pasteur que vous avez vu derrière ces moutons, il les mettait dans le rang chaque fois qu'un d'entre eux faisait défection. Oui. Ce pasteur-là, il était déjà noir. Les mains qui étaient dehors ici étaient noires. Étaient noires. Oui. Time when. Oui. Un peu gros. Oui. D'accord. Et si on rhabillait ce pasteur-là dans la même tenue et qu'on le mettait dans un groupe de militaires, pouvez-vous le reconnaître? À cause de l'âge, le visage change et franchement, les choses, ça peut être compliqué. Puisque vous dites moi. Qu'il portait un gilet. Oui. N'est-ce pas? Mm-hmm. Si il reporte le même gilet, on le met dans un groupe de militaires, vous pourrez le reconnaître? C'est là-bas le problème. Vous ne pourrez pas. Je ne pense pas que je vais le reconnaître. Parce que j'avais regardé et que j'ai vu un signe particulier qui faisait que je peux me rappeler un peu de lui, quand on le rhabille, ça peut venir à mémoire. Comme cette voix que j'ai entendue il y a plus de 10 ans. Mais quand quelqu'un a parlé ici, j'ai pu comparer les deux voix. Parce que cette voix qui sonnait là, j'ai entendu la même voix sonner ici. D'accord, merci.
Cette description correspond déjà à quelqu'un qui est avec nous. Je vous remercie. Merci. Cette affaire est renvoyée au 20. C'est pour le doyen. C'est la police.